Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir mon nouveau bolide, Biturbo Boîte Auto 7 Rapport. Je vous laisse le temps du générique pour me faire une proposition en commentaire. Salut, c'est Snow, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous ne me connaissez pas, j'ai deux chaînes YouTube, une consacrée à la tech, et pour une fois, on va plutôt parler véhicules, mais je vous expliquerai où se situe la tech dans mon nouveau bolide. Et une autre chaîne consacrée au gaming, il vous suffit de taper Snow69 sur YouTube pour y accéder. Et si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais si c'est déjà le cas, je vous remercie de tout mon cœur. Alors ce nouveau bolide 2 litres, biturbo, développant 198 chevaux, boîte auto DSG à 7 rapports, marque allemande, c'est Volkswagen. Et c'est le transporteur T6.1 en version Pro Cab, donc en cabine approfondie, que j'ai pris en version 6 places car j'ai 4 fils plus une femme à caser, fallait bien trouver de la place pour les mettre. Désolé si vous pensiez à une Golf GTD ou un modèle un peu plus sportif, j'aurais bien aimé, mais il me fallait un véhicule à la fois 6 places pour la vie quotidienne d'une famille nombreuse et un véhicule utilitaire pour mon quotidien professionnel. J'en profite pour vous montrer des images de l'extérieur car ce sera les seules images extérieures puisqu'il est en cours de total covering. Et ne souhaitant pas faire de la pub pour mon entreprise dans mes vidéos, j'aime bien cloisonner un petit peu ma vie, vous ne verrez plus l'extérieur après le covering. Alors c'est une vidéo où j'en montre assez peu, mais j'en ferai une ou plusieurs plus complètes sur l'intérieur, le moteur et la conduite, ainsi que toute la technologie embarquée. Mais ces futures vidéos n'arriveront sur la chaîne que dans plusieurs semaines, après un essai complet et un réel retour d'expérience à l'usage, ce que je n'avais pas trouvé à l'époque où j'avais passé commande. C'était en août 2019, j'avais longtemps hésité avec le Ford Custom, que j'avais d'ailleurs commandé en version sport 185 chevaux, mais à la livraison il n'y avait que 5 places, donc j'ai refusé le véhicule, et malheureusement à cause des normes, Ford était incapable de fabriquer un custom 6 places en version sport 185 chevaux, pour une histoire de CO2. Donc après avoir refusé le custom, j'ai commandé le 24 décembre 2019 ce transporteur. Mais avec le confinement, il aura fallu attendre fin juillet pour enfin le recevoir. Et donc en août 2019, je n'avais trouvé aucun test complet du transporteur T6.1 en version ProCab. J'espère donc aider les potentiels acheteurs avec mes prochaines vidéos qui arriveront dans les semaines à venir. Et justement, afin de préparer ces prochaines vidéos, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à me dire si vous voulez que j'approfondisse tel ou tel sujet dans ces vidéos. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, la partager, mais surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire et à cocher la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt, d'ici là, portez-vous bien, ciao !